solidarité. Chapitre 1. Le mal est réel. Chers parents, chers frères et sœurs, chers amis du monde entier, salam. Citoyens d'ici et d'ailleurs, à vos familles respectives, shalom. Beaucoup l'ont déjà chanté en chœur, mais comme on le dit, jamais 203. Surtout que le mal est déjà à l'intérieur et attend de se propager comme un cheval de Troie. Bien sûr, il compte sur nous tel un virus tapis dans le système qui attend la clé USB. Et de mai en mai, il passe entre les va-et-vient. Il est aussi contagieux comme une IST. Sa force est notre négligence et notre faiblesse, notre ignorance. Armons-nous donc de connaissances pour l'affaiblir par une véritable prise de conscience. En commençant par sensibiliser partout sans minimiser des couches dans les villes comme au village. En pensant à toutes les sensibilités, peu importe la langue, et bien l'essentiel c'est de faire passer le message. On peut se soigner par le partage, comme l'a dit Youssoufa dans Négritude. Donc ensuite, passe le message à des personnes de ton entourage qu'ils feront passer à d'autres personnes et ainsi de suite. Chapitre 2. Combattre l'ennemi. Les consignes sont les mêmes de l'Asie en Afrique. Pour les appliquer, pas besoin d'être un savant. À défaut d'une solution hydroalcoolique, faut régulièrement se laver les mains avec du savon. Éviter tout contact en toutes circonstances. Pour se saluer, faut surtout pas se serrer les mains. Toujours garder au moins un mètre de distance. Se reposter, pas besoin d'être proche pour se serrer les coudes. Parlons du coude, il faudra bien le plier. Et à l'intérieur, tousser, éternuer. Utiliser un mouchoir à usage unique et prendre soin de le jeter après à l'abri du public. En cas de doute sur une touche, s'isoler des autres est la meilleure chose à faire. En plus de la fatigue, si le thermomètre vire au rouge, n'hésitez pas à appeler le numéro vert. L'idéal c'est de rester chez vous et éviter les attroupements en masse. Mais en cas d'urgence ou de rendez-vous, n'hésitez surtout pas à porter vos masques. S'il faut être proche pour être contaminé, ça ne servirait à rien de se protéger sans protéger les nôtres. Commencez donc à prendre soin des vôtres, simplement en décidant de protéger les autres. Je jure devant le peuple burkinabé, sur mon honneur, de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Chapitre 3. Ce qu'on attend de nos dirigeants.